Préparer le match, ils nous interceptent sur les largeurs, on savait qu'ils allaient nous défendre sur les largeurs, on s'est fait intercepter en début de match. Après, voilà, on est généreux à la fin, on revient. Voilà, bon, on finit à 3 points, mais bon, c'est pas terminé, mais bon, on n'a pas tout fait pour finir de façon très positive ici, c'est dommage quoi. Maintenant, on a 8 jours pour préparer le match retour. On entame bien la rencontre avec une grosse défense, où on a été présent sur le premier quart d'heure, même 20 minutes je dirais. Après, on prend un rouge par l'intermédiaire de notre capitaine Joris Cipresso qui nous fait énormément de mal. Mais au-delà de ça, les joueurs se sont remobilisés, ils n'ont pas baissé les bras et le score a été fleuve à un moment donné. Et puis dans les 20 dernières minutes, notre déficit, on l'a ressenti énormément. Et puis face à une équipe contre Gujan qui tient le ballon, on encaisse des points et puis on échoue à 5 points. Heureusement qu'on avait fait le score avant, sinon il ne fallait pas 5 minutes de plus. Ce qu'il a manqué, c'est qu'on n'a pas forcément respecté le plan de jeu qu'on s'était donné, donc, notamment en première mi-temps. Donc ça nous a coûté cher, d'autant plus qu'en plus on prend deux essais là, enfin un essai surtout sur interception qui nous fait un peu mal. Après voilà, c'est compliqué de dire à chaud, hein, et ils sont venus gagner ici. On revient en deuxième mi-temps, on fait l'effort parce qu'on respecte un peu plus les consignes. Il y a 3 points, on a un bonus défensif. Voilà, il reste un match, hein, on a déjà connu des situations délicates. Donc on verra la semaine prochaine, il reste le match retour. Allez,